Et eh bien salut tout le monde, c'est Kevin et aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing du clavier gaming Steel Series Shift, donc l'édition World of Warcraft. Donc c'est un clavier que j'utilise déjà depuis un petit moment qui est vraiment très utile, je vais vous montrer pourquoi. Qui fait clavier édition comme là vous le voyez, mais qui fait comme un clavier basique aussi, comme vous voyez là un petit peu le système. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc c'est un clavier que ça fait un petit moment que j'utilise. Sincèrement, vu que j'utilise vraiment que pour World of Warcraft. Donc un clavier qui est vraiment bien. Donc, je vais sortir tout ça. Donc là, on voit déjà le premier clavier. Je vais sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, voilà. Donc on se retrouve avec le premier truc du clavier. C'est-à-dire pour les repose-poignets, comme ça sur le clavier, ouais. Pour ça, après, la deuxième chose qu'il y a, c'est vrai que vous allez trouver ça un peu bizarre. Vous avez un clavier comme ça, donc le clavier normal, donc le clavier basique, quoi. Et après, nous avons celle-là. Nous avons le clavier pour le jeu World of Warcraft. Donc vraiment, c'est un clavier qu'on utilise vraiment que pour ce jeu-là. Et après, nous avons tout simplement le clavier. Donc là, bien sûr, il n'y a rien. Donc déjà sur le clavier, ici nous avons déjà les touches volume. Si on a des touches raccourcies et tout ça, là on a une touche directement pour enregistrer ou autre. Après, si on retourne ici de ce côté, on a deux ports USB avec les prises jack pour les casques ou les micros. Donc, vous allez me dire comment ça fonctionne et tout ça. Donc, en fait, c'est tout simple. Par exemple, vous jouez pas à World of Warcraft, vous voulez votre clavier normal. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser le pavé numérique pour les chiffres. Donc, en fait, c'est tout simple. Donc, vous le glissez là. Hop. Et voilà. Puis là, nous avons ça qu'il faut le clipser. Parce que derrière, il y a des capteurs, je vais vous montrer après. Puis là, vous avez le clavier basique, quoi. Parce que si là, on enlève, en fait, ici, vous voyez, on a des capteurs qui sont aussi disponibles directement ici pour que le clavier et le logiciel, surtout, reconnaissent pour qu'ils sachent avec quel clavier on est en train de jouer. Donc ici, le clavier en Warcraft. Donc là, je le mets comme ça. Comme ça, vous voyez mieux. Donc ici vous voyez que c'est vraiment tout ce qui est raccourci. Donc ici il y a, hein, ici, il y a une petite zone, c'est marqué commande de discussion, commande de raid. Et puis après bien sûr ici nous avons toujours les trucs de mouvement. Ici nous avons un raccourci quitter le véhicule, inspecter, inviter, duel, les choses comme ça. Donc c'est vraiment utile, pas toujours à devoir configurer votre clavier avec les autres touches et tout ça. Bon bien sûr il y a toujours des petits trucs qui sont marqués sur les touches pour si jamais vous êtes dans quelque chose, comme par exemple B c'est marqué sac à dos, C c'est pour changer de personnage, le M vous appuyez sur la carte, enfin c'est vraiment ça. Donc après bien sûr il faudra télécharger le logiciel, donc vous allez directement sur Steel Series, puis c'est le Engine 2. Faut pas télécharger le Engine 3 parce que le Engine 3 c'est pour les autres claviers, mais le Engine 2 c'est vraiment celui-là qui va configurer ce clavier là. Donc c'est tout simple, donc vous allez télécharger le logiciel, vous allez brancher le clavier, puis en fait le clavier va être directement reconnu grâce à la puce qu'il y a là derrière. Donc ce qui est vraiment utile, donc moi bon, je joue pas avec ces touches là, je joue avec WSAD. Donc je joue comme ça, puis d'un coup j'ai envie de faire un truc, je suis sur un véhicule ou quelque chose comme ça, bah, je quitte, ou bien j'ai envie de parler, ou bien autre chose, bah, je fais des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un clavier qui est vraiment bien, donc de chez Steel Series. Donc c'est vrai que... Il y a eu un temps d'adaptation parce que déjà rien qu'avec le système que on enlève comme ça, puis que le clavier se replie comme ça, et puis qu'on met un autre, c'est vrai que ça a vraiment été vraiment bizarre, quoi. Mais à force après on s'habitue, après bien sûr à chaque fois vous allez devoir regarder quelle touche c'est tout ça, mais après à force ça vient tout seul, des fois je joue, j'ai même plus besoin de savoir que là c'est pour quitter le véhicule, enfin à un bout d'un moment ça vient tout seul.
Donc c'est vraiment un clavier, bah déjà qu'il est, il est très confortable, donc c'est un clavier basique, hein, c'est pas un clavier mécanique ou autre. Donc après vous mettez ça comme ça, puis après vous avez, bon, ça c'est vraiment si vous avez de la place sur votre bureau, vous posez votre clavier comme ça, puis après bien sûr derrière comme chaque clavier, nous avons les trucs pour l'augmenter, puis après vous pouvez jouer directement comme ça. Donc c'est vraiment très bien, très pratique, je suis très fier. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour parce que j'ai deux ordinateurs dans ma chambre, donc j'ai bien sûr l'ordinateur pour celui qui est dans mon gaming et tout ça, que j'utilise avec un clavier Razer, que d'ailleurs je vais en faire un unboxing. Et puis j'ai un deuxième PC où c'est vraiment un PC que j'ai fait monter que pour jouer à World of Warcraft, où je laisse ce clavier pour pas à chaque fois que je dois débrancher l'autre clavier pour mettre celui-là, parce qu'après, enfin voilà quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.